Le sentiment de manquer à quelqu'un n'est jamais facile, surtout quand c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Vous vous retrouvez à désirer leur présence et à penser constamment à eux. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la personne qui vous manque ressent la même chose? Dans cette vidéo, nous discuterons de trois façons d'identifier si quelqu'un vous manque cruellement. La première façon d'identifier si quelqu'un vous manque est à travers sa communication. Si quelqu'un vous contacte constamment, que ce soit par SMS, par téléphone ou sur les réseaux sociaux, cela pourrait être un signe que vous lui manquez. Il peut rechercher votre attention et vouloir renouer avec vous. Gardez un œil sur la fréquence et l'enthousiasme accru de ces messages. La deuxième façon d'identifier si quelqu'un vous manque est par son comportement. Si quelqu'un agit différemment de ce qu'il ferait normalement, cela pourrait être un signe que vous lui manquez. Par exemple, il peut devenir plus sentimental ou émotif lorsque vous êtes là, ou il peut être plus distant lorsque vous n'êtes pas là. Il peut également faire un effort supplémentaire pour passer du temps avec vous ou faire des choses que vous aimez tous les deux. La troisième façon d'identifier si quelqu'un vous manque est à travers son langage corporel. Les signaux non-verbaux peuvent souvent parler plus fort que les mots, et si vous faites attention, vous pourrez peut-être détecter des signes subtils indiquant que quelqu'un vous manque. Par exemple, il peut se pencher vers vous lorsque vous parlez ou vous touchez plus fréquemment. Il peut également établir un contact visuel pendant de plus longues périodes ou sembler nerveux autour de vous. En conclusion, manquer quelqu'un peut être un sentiment difficile à gérer, mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. Si vous vous demandez si quelqu'un vous manque, faites attention à sa communication, son comportement et son langage corporel. Ce faisant, vous pourrez peut-être identifier s'il ressent la même chose et faire des pas en avant avec eux. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like et laissez un commentaire.